Salut et bienvenue sur Point Culture. Nous sommes à la galerie Amrita d'Ayala pour une expo qui se situe un peu entre deux éditions du festival chazalien. Alors nous allons rencontrer une personne qui a bien connu Malcolm de Chazal. J'ai bien connu Malcolm de Chazal qui travaillait en étroite collaboration avec la galerie Spes tenue par Madame Elena Langlois. La galerie se trouvait à ce moment-là que au Pip, mais depuis elle a bougé à Quatre-Bornes. Mais Madame Noël était une grande collaboratrice avec Madame Langlois. Et nous avons connu, elle a beaucoup connu Malcolm de Chazal. Madame Noël a même, sollicité par Madame Langlois, elle a fait des tapisseries qu'elle a fait main de monsieur des tableaux de Malcolm de Chazal. Nous en avons quelques-uns à la maison. Et Malcolm de Chazal est venu souvent chez nous, à la pointe Canoë à Grand-Bé, où j'habite en ce moment. Et Malcolm de Chazal, il y avait un énorme filao devant le campement. Il est allé, il a passé ses deux bras autour du filao, il l'a embrassé. Et il a dit à ma fille, tous les matins, va, embrasse ce filao, c'est un don de Dieu. Et Malcolm était un... Tout le monde le prenait pour un fou, pas nous. Mon fils l'a surtout beaucoup cru, et il est le premier Vincent Noël à avoir fait une conférence publique sur Malcolm de Chazal. Ça s'est passé à l'université de Maurice, avec, sous les auspices de monsieur, du professeur Hukum Singh et madame Boulel, qui est toujours, je crois, à l'université. Et cette conférence, je l'ai. Mais Vincent va retourner bientôt à Maurice. Il sera de retour au pays après bien des années. Il rentre le 14 décembre et à ce moment-là, lui, il donnera publication peut-être à cette conférence. Et aussi, Vincent a partagé un livre. Il a écrit dans un livre où plusieurs écrivains mauriciens ont parlé de Malcolm de Chazal. J'ai ce livre à la maison. Malheureusement, il est épuisé aujourd'hui. Mais enfin, je crois que dans l'avenir, on pourra peut-être le rééditer. Mais c'est un grand, grand plaisir pour moi, surtout d'honorer Malcolm de Chazal et de vous dire ce que mon fils a fait et l'admiration qu'il a pour Malcolm de Chazal. Vous venez de mentionner cet épisode justement où il demande à une fille d'embrasser l'arbre. C'est vrai que Malcolm de Chazal avait une vision peut-être très différente des choses, de la création de la nature. Oui. Je pense bien qu'il voyait par exemple dans les fleurs, oui, les êtres qui regardent des gens. Oui. Alors, comme vous l'avez mentionné, certains le prenaient pour un fou, ses idées n'étaient pas bien reçues. Comment vivait-il cela? Est-ce que vous avez une idée? Ça n'affectait pas du tout Malcolm. Il avait son idée, il avait sa façon de voir. Il l'imposait. Les gens qui ne partageaient pas ses vues, ils n'étaient pas un bagarreur, Malcolm. C'était pas, il n'avait aucune. C'était un homme plaisant, un homme doux, malgré certaines de ses attitudes. Mais toutes ses relations aux fleurs et tout, c'était quelque chose de magnifique. Il fallait respecter ses vues. Et c'était ça que mon fils a appris de lui. Et je suis fier que Vincent ait pu honorer sa mémoire. Aujourd'hui, comme vous voyez, il y a un festival chazalien, ouais, qui se répète régulièrement. Ouais. On proclame Malcolm de Chazal comme un génie, non seulement de la peinture, mais de la littérature aussi, de la philosophie même. Ouais. Alors, vous qui l'avez connu, vous qui peut-être l'avez vu vivre et sans doute mourir dans, on va dire, la misère relative. Qu'est-ce que cela fait d'avoir connu l'homme et d'avoir vu la façon dont il a vécu et de voir aujourd'hui toute son œuvre acquérir une valeur inestimable? Oui. Je dois vous dire que d'abord, le plus grand mécène de Malcolm de Chazal a été M. Amédée Mingard, le grand directeur. C'est ce monsieur qui avait une grande vue du tourisme et qui a reçu Malcolm de Chazal à l'hôtel Le Monde. Malcolm avait ses petites entrées, ses repas, tout était fait. Monsieur Amédée Mingard
a beaucoup fait pour Malcolm de Chazal et il lui a été très très reconnaissant. Malcolm de Chazal était un homme hors du commun. Et je crois que tous les Mauriciens devraient être fiers d'avoir un patriote pareil. Amrita Daella, nous sommes entre deux éditions du festival Malcolm de Chazal. Pourquoi avez-vous tenu à justement faire une manifestation autour des tables de Malcolm, autour de l'art de Malcolm? Ben, écoutez, comme vous le savez, le festival a lieu chaque 2 ans. Mais disons que les gens, ils sont habitués maintenant avec la galerie, ici à Granby. Ils viennent de temps en temps réclamer des tableaux. Ils veulent voir des tableaux, le travail de Malcolm de Chazal. Les gens maintenant, ils sont habitués. Ils savent que chez nous, toute l'année, on l'a... Bon, ils sont passés, eux, dans leur tête, c'était qu'il y aura l'expo, le festival. Donc là, j'ai fait comprendre que le festival, c'est chaque 2 ans. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas montrer, comme moi, je reçois de temps à autre pas mal de tableaux de Malcolm pour montrer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire monter l'expo. J'ai discuté avec mon ami Robert Ferlon et en collaboration avec la Fondation, on s'est dit, bon, on monte l'expo, on monte un peu les tableaux et les collections que j'ai reçues, les nouveaux tableaux. Donc, c'est pourquoi vous avez eu l'expo sur Malcolm de Chazal. En fait, ce qui étonne d'année en année, c'est qu'il reste quand même beaucoup de tableaux de Malcolm de Chazal. Bon, faut-il encore mentionner qu'il en a brûlé une bonne partie? Bien sûr, il existe la collection que possède la Fondation. Mais est-ce qu'il est facile justement d'amener tout cela ensemble, de trouver peut-être des inédits, d'aller chercher un tableau qu'on ne connaîtrait pas, qui ne serait pas répertorié, etc. Comment on fait pour justement, de temps en temps, ramener un nouvel élément à la collection que nous connaissons déjà? Ben, écoutez, quand vous me dites la collection que vous connaissez déjà, et il y a certains tableaux que les gens connaissent qui reviennent au devant de la scène de temps à autre. Mais Malcolm, c'est toujours des inédits. Pour moi, il a fait des centaines et des centaines, des milliers, et c'est toujours des inédits. À chaque fois, on découvre. Par exemple, là, hier, pas plus tard que hier, j'ai reçu 5 tableaux, et c'est des inédits, des petits personnages que les gens ne connaissent pas, le champ de Mars, il en a fait beaucoup. Et hier, j'ai reçu 5 belles pièces. Donc, pour moi, chaque tableau, c'est un inédit. Bon, on dit... Il y a répétition. Je dirais répétition, bon, on prend un sujet, on recommence, répétition, mais comme Malcolm, il a bien dit lui-même, la fleur me regarde. Moi, je me souviens quand j'étais enfant à côté de lui, il me dit, je parlais, et puis quand on était gamin, arrête de faire du bruit, écoute, il y a la rivière qui parle. Il était à côté d'une rivière, il peignait là, il aimait peigner là, à Cuyapip, à la rue Brown-Séquad, arrête de faire du bruit, il y a la rivière qui parle. Donc ça, c'était Malcolm. Et il y a cette scène de la rivière qui revient dans beaucoup de ses tableaux. Vous allez voir, il fait des trucs, il fait des maisons, il fait des montagnes. Et puis, il y a toujours la rivière où il y a la mer parce qu'il peignait beaucoup au monde. Mais il y a toujours des choses qui reviennent. Quand il a découvert le jardin botanique à Cuyapip, il y a toujours les azalées, les fleurs qui reviennent. Maintenant, je commence à voir les azalées dans le nord. Parce que moi, quand je vois des azalées, je pense toujours à Malcolm. Alors, il y a une réaction qui peut-être est courante, un peu trop courante sans doute. Certains qui peut-être ne connaissent pas les antécédents littéraires, poétiques, philosophiques de Malcolm pourraient regarder ces tableaux et dire que voilà, bah, écoutez, c'est des peintures d'enfants, ça. Je peux faire ça moi-même avec quelques tubes de peinture, ou bien mon enfant de 5 ans peut faire ça. Et bien sûr, il y a l'autre réaction qui dit que voilà, bah, c'est justement le génie de Malcolm de pouvoir peindre comme un enfant. Alors, vous, en tant que peintre et en tant que galeriste, quelle est votre réaction à cela? Comment faut-il voir ce phénomène? Là, je me souviens de quelqu'un très connu à Maurice, André Masson, écrivain, journaliste, qui avait écrit une phrase un jour et qui est restée dans ma tête, qui n'est jamais sortie, où il a dit « On peut imaginer la richesse, mais on ne peut pas imaginer la pauvreté ». Si on était pauvre, on sait ce que c'est d'être pauvre, mais la richesse, on peut l'imaginer. Alors, Malcolm, c'est pareil que ça, que cette phrase, je veux dire. On peut peindre comme un enfant,
si on peut se mettre dans la peau d'un enfant, dans la tête d'un enfant, et ce que personne ne peut faire. Malcolm, il était vraiment un génie, d'où le titre de l'expo. Parce que tout le monde, bon, je sais, il y a beaucoup de gens qui disent c'est enfantin, il peint comme un enfant, ça ne vaut rien, c'est un galimatia. Moi, j'ai eu quelqu'un très bien placé qui récemment m'a dit, oui, tu sais, c'est un galimatia. Mais il faut avoir un don pour pouvoir faire le galimatia, pour pouvoir peindre comme un enfant. Il faut vraiment avoir ce don, pouvoir se mettre dans la tête de l'enfant. On peut essayer d'imiter Picasso, Rothko ou autre, mais on ne peut pas se mettre dans la tête d'un enfant et essayer de peindre comme un enfant. Moi, je dirais à tous ces gens, essayez d'imiter Malcolm, de prendre un tableau et essayez de le copier, de le faire 100% comme lui. On n'arriverait jamais. Mais Malcolm, c'était vraiment un génie. Lui, il a pu le faire et il était vraiment quelqu'un de c'est un génie, quoi. Amrita Daela, merci beaucoup. Voilà, merci d'avoir été des nôtres. Fin de cette rencontre donc. Les images étaient assurées par Dharmendra Uchit. Et merci aussi à Anand Ramtoel qui nous a amené ici. Rendez-vous bientôt. Adios.